Bonsoir tout le monde. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. On est reconfiné. Je dirais pas à 100% comme au mois de mars, mais on va passer au travers. Alors, ce soir, j'ai décidé de faire un lookbook. Alors, donc, cette vidéo-là, il n'y aura pas de santé et make-up. Ça va être lookbook. Et la prochaine vidéo dans 2 semaines sera santé et make-up. Donc, je vais faire ça. Et puis, je vais vous expliquer tout de suite qu'est-ce qu'il y en est. Alors, moi, vous savez, j'ai des marques de maquillage que j'utilise souvent et qui ne sont pas accessibles ici à Montréal. C'est pas grave. Mais j'ai décidé d'aller avec du make-up qui est connu, que vous utilisez, que vous aimez, que vous avez un intérêt pour. Alors, puis moi, vous savez, je veux faire du maquillage qui est simple à reproduire. Souvent, les gens qui m'ont côtoyée, qu'ils ont eu une classe maquillage, vont me dire, oh, j'ose plus, oh, je pensais pas que ça me faisait comme couleur. Et moi, c'est mon objectif. Alors, j'ai été prendre dans le fond les palettes de ma fille. Parce que c'est des palettes populaires. Puis je sais que vous aimez cette marque-là. Oui, Juvia's Place. Donc, je ne pourrais pas faire sur les deux pour la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est 3 lookbooks. Donc, c'est 3 maquillages que je veux que vous soyez en mesure de réaliser. Donc, j'ai décidé d'aller avec celui-ci. Donc, qui est de Nubian Tree Coral. OK. Donc, celui-là, ça sera pour une prochaine fois. Okay. Donc, moi, je vais vraiment aller avec cette palette-là. Comme vous pouvez voir. On va essayer de faire quelque chose quand même pratico-pratique. Quand on veut que ça soit pratico-pratique, une couleur ou bien on peut faire avec 2 couleurs. Quand on est rendu à 3 couleurs, il faut vraiment être à l'aise. Pour faire un make-up avec 3 couleurs. Okay? Puis, ah oui, en passant, la vidéo, elle va rouler. Okay? Puis, je ne parlerai pas. Je vais juste me maquiller. Puis, vous allez voir. Fait que ça se peut que je fasse 5 lookbooks. Je vais voir si je vais choisir entre 3 ou 5. On va voir. Alors, OK. À tout à l'heure.
crois que j'ai terminé avec le book. Je pense que j'ai fait plus que 3, ça c'est sûr. J'ai fait peut-être 4 ou 5. Alors, vraiment, c'est une palette intéressante. Je trouve que les combinaisons vont bien. Moi, j'ai essayé de me maquiller avec celui-là, mais vu que vous voyez, c'est ton sur moi, c'est plus ou moins... c'est trop ton sur ton. Si ça serait plus foncé, ça aurait été beau. Et ce que j'allais vous suggérer aussi, des ombres à paupières que vous pouvez mettre solo et que vous pouvez aller sur la paupière mobile et l'arcade sourcilière sans avoir l'air d'un clown. Je vous montre lesquelles. Lui, là, ça vient amener un petit peu de ceinture. Vous le mettez sur toute votre paupière mobile et l'arcade. Vous mettez des faux cils. Vos sourcils sont faits. Ça va être juste parfait. Lui aussi. Dans le fond, c'est lui. Si je l'applique partout, ça va être très beau aussi sur moi. On s'entend. Quand je dis on l'applique partout, l'intensité qui est mise sur la paupière mobile ne peut pas être la même que sur l'arcade sourcilière. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous le mettez aussi pigmenté sur la paupière mobile que l'arcade sourcilière, c'est là que vous avez l'air d'un clown. Mais si vous dégradez, là, vous n'avez pas l'air d'un clown. Alors, j'espère que vous avez aimé ce lookbook-là. Je vais en faire un autre sur celui-là. Tout ce que j'aurais aimé qu'il y ait à cette palette, c'est un miroir. Je trouve que toute palette, peu importe le prix, on peut avoir un miroir. C'est faisable. Un grand espace comme ça, avoir du design, who cares? On veut un miroir. Mais sinon, c'est une très bonne palette. Les deux couleurs vraiment qui ne ressortent pas bien sur moi, c'est lui et lui. Lui, c'est pas qu'il ne ressort pas bien lui, c'est juste que il est trop ton sur ton. Et lui, vous allez voir, il est charky. Bon, c'est pas laid finalement. J'ai pas essayé, mais c'est pas mauvais. C'est pas grave. J'ai pas fait avec lui, puis j'ai pas fait avec lui. Mais c'est une palette que vous pouvez utiliser toutes les couleurs. Tous les jours. C'est très, très, très intéressant. C'est très... je vous dirais que c'est mon make-up. Ça, là, c'est le make-up le plus... Je sais pas si ça ressort bien à la... caméra, mais ça ressort, c'est très beau, c'est doux, c'est pêche, c'est rosé, c'est en plus avec le doré, c'est juste parfait. C'est mon make-up préféré de tout ce que j'ai fait. C'est pour ça que je termine avec ça. Alors, oui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas de mettre un thumbs si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de partager ma vidéo. N'hésitez pas non plus de m'écrire, me suggérer. Ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis, à la prochaine. Bye!